Bonjour Cathy Guetta. Bonjour. Cathy Guetta avec nous, icône de la fête et de la nuit. Vous êtes devenue une marque aux côtés de votre ex-mari. J'adore, il y a l'écho comme les DJ. Il y a une 205 qui est mal garée sur le parking nord, notamment avec les fameuses soirées Fuck Me I'm Famous à Ibiza, mais pas seulement, et des albums aussi. Oui, alors là on écoute Satisfaction. C'est un remix que David vient de faire d'un morceau de Benny Benassi, et c'est le morceau le plus joué dans tous les clubs par tous les DJ dans le monde. Plaisir de le découvrir. Ouais. Votre actualité, c'est Jayz. Alors, c'est écrit D-J-A-A-Y-Z. C'est une application, je cite, de booking de DJ. Tout est en anglais. Un DJ, chacun sait ce que c'est. C'est quoi le booking? Le booking, c'est la réservation. Enfin, c'est la réservation d'un DJ. C'est-à-dire... booké. Je pense aux gens qui ne parlent pas anglais. Voilà. Donc, on peut booker son DJ. C'est-à-dire que si on a une fête, un dîner, n'importe quelle célébration, un anniversaire, n'importe quoi, voilà, n'importe quelle soirée à faire chez soi, on peut dès aujourd'hui booker son DJ, réserver son DJ. Chez soi, mais pas seulement, ça marche pour les fêtes, pour les anniversaires, ça marche aussi pour les entreprises. Oui, pour les entreprises. Alors, il y a le côté privé, bien sûr, à la maison, donc ça c'est quand même une nouveauté, de pouvoir avoir son DJ dans les 6 heures, parce qu'il faut quand même laisser un peu de temps. Et après, bien sûr, on peut aussi avoir le côté plus corporate, c'est-à-dire on peut avoir un DJ dans une salle de sport, dans une boutique, dans une galerie d'art, pour un mariage, un énorme mariage, un plus petit mariage, enfin pour toutes les fêtes. C'est comme un cuisinier à domicile, il vient avec son matos, il arrive avec ses platines et ses enceintes. Absolument. Ou est-ce qu'il faut tout lui fournir? Non, alors ça dépend. Moins de 50 personnes, on demande au DJ d'amener ses platines et son speaker, etc. Parce que bon... parfois les gens l'ont, mais parfois les gens ne l'ont pas. Et plus de 50 personnes, bon, se dit que ça va être une salle plus importante. Et là, on doit avoir un équipement un peu plus professionnel. C'est une application lancée il y a peu de temps. La question que tout le monde se pose, ça concerne combien de personnes? J'ai vu un chiffre de votre étude marketing que j'ai déjà cité, mais je vais le redire, j'ai été stupéfait. Vous dites qu'il existe dans le monde près de 10 millions de DJ semi-professionnels. Ça fait combien de monde qu'on en a besoin? Parce que s'il y a 10 millions de DJ... c'est qu'il y a des centaines de millions, voire un milliard de gens qui vont danser. C'est extraordinaire ce chiffre. Ah oui, c'est extraordinaire. Mais bon, il y a des millions de gens qui dansent un samedi soir, un vendredi soir dans les clubs. Donc aujourd'hui, et avec la pandémie, les gens ont redécouvert la fête chez soi, puisqu'on ne pouvait plus aller en club. Donc, moi, je veux aussi créer la demande et le plaisir d'avoir un DJ chez soi. Alors, comment fonctionne l'appli? Racontez. Une fois qu'on a l'appli, comment ça marche? On télécharge son application, on met son nom, son adresse, le nombre de personnes, le type d'événement, le style musical, la date et le prix que l'on veut payer pour son DJ. Parce qu'on peut choisir à partir de 250 euros jusqu'à autour de 2000 euros. Donc, une fois qu'on a rempli toutes ces données, on a un nombre de DJ qui est concerné par votre événement. Et après, comme Tinder, on scrolle et on regarde le DJ ou la DJ que l'on veut avoir pour son événement. Alors, je l'ai dit, on choisit son style musical. Quels sont les styles musicaux pour se mettre dans l'ambiance? Je vais demander une mini playlist, on a entendu le premier titre. Oui. Le deuxième son que vous vouliez nous faire entendre, ça laisse tourner un peu avant de m'en demander de qui s'agit-il. Qu'est-ce qu'on entend? Alors, c'est un morceau de Drake et il est produit par le DJ Black Coffee avec lequel je fais mes soirées à Ibiza. Parce que je continue toujours, moi, à faire la fête avec 7000 personnes tous les samedis au High à Ibiza avec ce DJ Black Coffee qui vient de gagner l'album électronique de l'année au dernier Grammy Awards. Ce son est classé dans quel genre? Parce qu'il y a plein de catégories. Il y a dance, pop, électro, lounge, hip-hop, disco, R&B, latin musique, rock, reggae, et encore, j'ai pas tout cité. Non, on n'a pas tout cité. Ça, vous le classez où? Drake, je le classe... ce titre-là? Ouais, ce titre-là, c'est un peu... dance. D'accord. Ouais, dance. Combien de DJ au catalogue? On n'a pas les gros noms comme Black Coffee par exemple pour l'instant. On n'a pas les gros noms, mais on les a pas. On n'a pas David Guetta, ni Black Coffee, ni Calvin Harris sur l'appli. Mais si pour un événement spécial quelqu'un désire un de ces DJ, les plus connus de la planète, on m'appelle. Ça passe par vous. Et là, vous avez le 06, c'est en direct, mais c'est plus sur l'appli. Alors, je me suis inscrit. Oui. Je dois dire, c'est gratuit. C'est très, très facile. Oui. Je me suis amusé à chercher des DJs. C'est vraiment très simple. J'ai mis la date de ce soir. J'ai tenté ça hier. J'ai mis 300 personnes. J'ai mis Paris, mais j'ai pas mis l'adresse. Et bim, bim, bim. J'ai mis le prix. Je sais plus quel prix j'avais mis. Enfin, un prix moyen. Ce qui m'a frappé, il y avait que des mecs. Il y a moins de filles que de garçons dans ce métier.
Ou est-ce qu'il y a moins de filles que de garçons sur votre appli? Non, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, je fais un appel à tous les DJ, les DJ, bien sûr, de venir. Mais il y en a de plus en plus, hein, et des connus. Ouais, vraiment. Alors, on a dit les prix, ça va genre de 300 à 3000 euros, c'est des sets de 90 minutes. Oui. Mais comment on fait si on veut le DJ plus longtemps, genre de 22h à 3h du matin? Eh bien, on le fait plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des. Pardon, je me demande ça. Est-ce que la loi a prévu ce genre de cas ou est-ce que c'est comme les chauffeurs routiers doivent se reposer? Non, pas du tout. Non, mais le prix est pour 90 minutes. Si on désire avoir une demi-heure ou une heure supplémentaire, on paiera l'heure supplémentaire. D'accord. Voilà. Ouais. C'est quoi le modèle économique? Parce que c'est gratuit pour s'inscrire. Oui. J'ai lu que c'était gratuit pour les DJ de s'inscrire. Oui. Comment vous retrouvez vos billes, vous? Bien, sur chaque booking de DJ, donc, il y a un prix, et sur ce prix, on prend un pourcentage. Mmh. Voilà, comme un agent. On veut devenir un agent, le premier agent digital de DJ. Il est combien en fait le pourcentage? Moi, je connais la série 10%. C'est plus que 10%. Ben, c'est 20%. Moi. C'est 20%. Ma série, c'est 20%. Vous n'êtes pas seule dans cette opération, non. Cathy Guetta. Vous avez monté votre entreprise avec Raphaël Aflalo, c'est bien ça? Oui. Qui lui-même vient du monde du digital et de la tech. Donc, et alors, j'ai lu, j'en parle, très votre entreprise a notamment représenté les intérêts de Cristiano Ronaldo. Vous travaillez toujours avec lui? Non, mais en fait, parce que je suis associée avec Raphaël Aflalo dans une société qui de consulting entre les marques et les célébrités. Et il est vrai que nous avons fait un deal pour Cristiano Ronaldo pour lui créer son parfum. Incroyable. Voilà. C'est comment de bosser avec Cristiano Ronaldo? C'est pas mal. Non, il est sympathique, il n'est pas sympathique, vous n'êtes pas dit le contraire. Non, il est sympathique. En plus, même sur Ibiza, il vient souvent avec sa famille. Il vient, voilà, c'est quelqu'un qui aime la fête, qui aime sortir, qui est un sportif de haut niveau. Pour moi, c'est un des plus gros sportifs qu'on ait, mais il va être très sympa. Il va être content, l'entraîneur, de savoir que Cristiano Ronaldo vient faire la fête dans votre boîte jusqu'à 6h du matin. Non, mais l'été, lorsqu'il ne travaille pas, il a bien le droit. Oui, non, mais je ne reproche rien. Je dis que l'entraîneur va être content d'entendre cette émission. Vous êtes en train de réunir une levée de fonds de 3 millions d'euros supplémentaires pour en faire quoi? Parce que pour l'instant, l'appli est seulement disponible à Paris et à Londres, c'est bien ça? Non, pas à Paris. L'appli est disponible en France et en Angleterre. Le booking, c'est pas l'appli qui est disponible, elle est disponible partout dans le monde, pardonnez-moi. Le booking, pour l'instant, booking, c'est des DJ à Londres et à Paris. Oui, en France et à Paris. Voilà, parce que, non, j'insiste sur la France parce que je ne veux pas que les gens pensent qu'on ne peut booker. Even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat. Maintenant, les basses sont démarrées, je peux poser la question. Qu'est-ce qu'on entend, Cathy Guetta? Vous êtes en train de danser, vous pouvez la voir sur Europe1.fr. Parce que j'adore ce titre. C'est Central Cee, c'est un rappeur anglais. Et Doja, son titre. Et voilà, donc ça sera dans la catégorie, si vous me demandez, à hip-hop, bien sûr. Juste un petit mot, je ne trahis pas un secret. Vous êtes séparé de David Guetta depuis 2014. Vous avez gardé son nom, pour quelle raison? Oh, quelle bonne question! Merci. Parce que c'était une évidence pour nous. En fait, j'ai gardé son nom parce que son nom, c'était aussi notre marque, c'était aussi notre couple, c'était tout ce que l'on a fait ensemble et voilà. Et je l'ai gardé. C'était vraiment une évidence. Et évidemment, pour lui, c'était normal. Et c'est le premier titre que vous aviez choisi. Il venait de lui. Merci beaucoup, Cathy Guetta. Je rappelle, Jayz. DJs. Oui, DJs. Mais je veux le dire pour que les gens puissent s'abonner. Merci pour cet écho. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a de très bons cocktails au bar. Cette application de booking de DJ.